Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes très bien et j'espère que tu as repris le sport avec la réouverture des salles de sport depuis le 9 dernier. Dans cette vidéo, je vais te présenter ma séance complète épaule. Cela peut t'aider, ça fera plaisir. Et si tu veux, tu peux marquer en bas de la description les exercices que tu aimerais ou le groupe musculaire que tu aimes le plus travailler. Et moi, je me ferai le plaisir de te proposer des exercices qui pourront t'aider. C'est chauffé. Je vais me chauffer avec le vélo. Et après, on va commencer véritablement la séance. Alors, reste jusqu'à la fin. Et on se retrouve tout juste après. Vous pouvez, par exemple, courir, faire 2 minutes d'étirement ou faire 5 minutes de tapis. À vous de voir. Là, j'ai décidé de faire le vélo, vite fait. Déjà, j'en peux plus. Je suffoque, je transpire. Allez, on se voit pour la séance. Épaule. À tout à l'heure. Pote. On pense toujours à s'échauffer, on commence toujours par s'échauffer. Peu importe le muscle que vous voulez travailler, vous commencez toujours avec un poids léger. Vous faites quelques reps, question d'étirer le muscle avant de véritablement commencer. Commencez par plus lourd et je vais descendre ainsi de suite. Donc, au fur et à mesure, je vais vous expliquer les exercices qu'il faut. Allez, c'est parti. On va partir avec des haltères de 22-50. Gardez bien la colonne droite collée au banc. Et c'est parti. Avec les 17-50. J'aime beaucoup travailler en dégression. Ça permet d'avoir une bonne hypertrophie. L'exercice que je vais vous proposer après, ce sera le développé militaire devant. Et après, on fera le développé arrière. Le militaire devant, on va beaucoup mettre l'accent sur les deltoïdes antérieurs. Et après, on fera le développé militaire arrière pour vraiment mettre l'accent aussi sur les deltoïdes
les deltoïdes postérieurs, la partie là, juste la partie de derrière. Et après aussi, on va travailler, on fera les élévations latérales pour travailler la partie latérale. Donc c'est parti pour les développés militaires. Avant. Contrôlez bien la phase de descente et vous remontez. Vous pouvez prendre une à deux minutes de pause, de repos entre chaque exercice. Là, vous pouvez faire 3 séries de 10 à 15 répétitions. L'exercice qui va vous permettre de travailler les 3 parties, que ce soit les deltoïdes latérales, postérieures et antérieures, ça cible ces 3 parties-là. Donc évitez de mettre un peu lourd, c'est des exercices de finition, donc vous mettez léger. Et on va partir pour 10 à 12 reps. C'est parti. Contre la descente. Le tirage montant. Donc, en termes de répétition, vous pouvez faire 4 séries de 10 répétitions. Et vous prenez une pause d'une minute entre chaque répétition. On passe à un autre exercice et après ça va être à la fin. Dernier exercice, ce sera l'oiseau. Donc on va toujours utiliser l'élastique. Je vais vous montrer le mouvement. Le mouvement, ça se passe comme vous mettez comme ça et vous tirez. Ça travaille vraiment la partie postérieure, l'arrière des épaules et aussi un peu la partie latérale. Je vous montre le mouvement. Complète et vous revenez doucement.